Waouh, c'est bizarre. Hé hey, merde, quoi. Ah Oh, hey. Sam. Oh non. Chris, le choix t'appartient. Merci. On a besoin d'aide, s'il vous plaît.
Bonjour. Et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous allons mener une petite expérience. Bonsoir. Bonsoir, mes enfants. Non. Non, ça va pas. Bonsoir, mes amis. Putain de merde. Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, toi ? Je comprends pas comment t'es arrivé. Comment tu m'as trouvé ? J'ai un putain de psychopathe ici, dans la montagne. Ouais, j'ai remarqué. Évitons ce grand. Réseau de tunnel, j'étais en bas à essayer de sortir. Puis il y avait cette grille et je t'ai vu. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler... Il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre, déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh, bordel. Et Mike, je pense que Josh est en partie derrière tout ça. Attends que... Quoi ? Je suis pas sûre du tout, mais il y avait un message de son docteur et il parlait d'un plan comme étant une mauvaise idée. Et maintenant, il est mort. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? Il y a une porte là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté. Aussi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Mike, tu permets ? Oh, oui. Oui, pardon. Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord.
C'était quoi? C'est... quelqu'un qui pleure. Dans le vent. J'espère que ça vaut le coup, j'étais superbe dans ce haut. Voilà. Ça, c'est cool.
Allez, putain de merde! Bordel de merde! Marche. Oh.
seulement il y a un an. Qu'est-ce que ça signifie? Charmant. Danger, c'est mon putain de surnom. Yeah.
Bien sorti. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que ça fait, hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non, 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 non! Parce qu'elles sont mortes! Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, faites pas cette tête-là! C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum boum, boum boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer avec marionnettiste de toute cette panique, pas d'objet. Et tout ce sang? Le sang, c'était un festival au cadavre. En plus, ces conneries, c'est super cher. Et sans rater. Non, 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 non. Tout en une seule prise. Oh, vous auriez dû voir ma tête. Je sais tes matchs. Vous avez totalement gobé. Josh, pourquoi tu fais tout ça? Demande même pas à cette espèce de petit con. Il en sait rien. Il est complètement taré. Il faut qu'il reprenne ses médocs. Non, franchement, les gars. La vengeance, c'est le meilleur remède. T'es mort. Mike, du calme. Quoi? Sérieux? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des stars sur Internet! Attends, quoi? Oh, ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir! Non, franchement, on a de l'amour à sens unique. On a du sang. Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine. Pour compter toutes les vues que vous allez faire. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Hé, les gars. Sérieusement, c'est débile, vous savez. La ferme. Pourquoi tu l'as frappé? Hein? Pourquoi tu l'as frappé, putain? Oh. Mais enfin, de quoi tu parles? T'as frappé Ashley, sale ordure. Oh, je suis devenu dingue. On frappe pas une fille. Ça se fait pas. Chris, sérieux, mon pote. Chris, je suis pas ton pote. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, mon pote. Quoi? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin. Allez. Enfin quoi, j'ai rien fait du tout. Tu te fous de ma gueule? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es. J'ai vraiment rien fait. Mike, pitié, putain. Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess. Franchement, tu ferais mieux de la fermer. Chris, s'il te plaît, mon pote, on est partenaires. Arrête de dire ça. Ok. Joue au con! Tu veux voir les choses comme tu veux les voir. Tu es... Ferme-la, femme! Tu es grand! Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour! Oh, pardon, je t'ai fait mal? Tu souffres? Tu souffres un petit peu? Dans ce cas, je suis tellement désolé! Arrête! Stop! Michael, je suis désolé, mec. Tu sais pas à quel point je suis désolé. Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica. Mais je te jure que je sais absolument rien de tout ça. Mais ferme-la, Josh. Tu pourras pas t'en sortir comme ça, putain. Ok, on peut passer à autre chose.
Putain! Ne plaisante pas! C'est pas juste! Non! Ça ne peut pas du tout se passer comme ça! Vous êtes une bande de sales brutes! Vous pouvez pas partir! Vous pouvez pas me laisser crever ici! Hein? C'est pas comme si vous aviez le cran de le faire pour de vrai, de toute façon! Stop! Oh, la ferme, t'es le plus grand trouillard qui soit! Ah ouais? J'ai fait des choses. J'ai créé un monde auquel vous avez tous cru. J'ai révélé une part de vous-même dont vous aviez tous peur. Tu nous as manipulés, tu nous as piégés, tu as blessé tes amis, et tout ça en restant dans l'ombre. T'es qu'un sale lâche, Josh, c'est tout ce que t'es! Ok, on me ligote là, ok? Bouge pas, ouais, mec. Ouais, ouais, très bien, mais... Tu peux pas les attacher si gigotent comme ça. Josh, sérieux? Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu, quand même, hein? Mais quand est-ce que tu vas la fermer? Mais... Moi, j'irai, ok? Moi, j'irai, je peux... Je peux plus bouger. Putain, mais de quoi il parle, bordel? C'est dur à regarder. Quand tu fais une prise, il a déjà dit genre de conneries avant? Non, je l'ai jamais vu comme ça. Ils sont tous débiles. Ils sont tous débiles. Chris et H. Chris est un lâche. Ashley est une idiote. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'étais idiot. C'est quoi ton problème? Oh, Ashley! Oh! Ashley, je vais te dire, là, je vais pas te laisser mourir! J'imaginais pas dans mes rêves les plus fous que tu m'aimais! Stop! Oh. Et tu connais ce bruit? Le bruit de jamais embrasser Ashley, connard! Stop! Ouais, tu sais, tu pourrais bien laisser Ashley avec Mike! Bah ouais, au moins lui, il en a sous la ceinture, tu sais! Mmh, de vrai méchant! T'es vraiment pathétique, Christopher! Je vais lui arracher la tête! Non, l'écoute pas! Laisse tomber! Hey, Mike! 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 Quoi? Si on parlait de... de Jess, Mike? Tu sais ce qui s'est passé? Non! Non! C'est seulement que... que j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est... si douce. J'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! Sérieusement? Quoi? Tu pensais vraiment que j'allais le tuer? Je sais pas. Mais enfin, Chris, tu me connais bien mieux que ça. Ouais, Chris, tu me connais bien mieux que ça, non? Ouais, la prochaine fois, préviens-moi avant, d'accord? Oh, ils sont trop mignons! Ils arrivent même pas à jouer aux flics correctement! Laissez faire les pros, les mecs! Tu devrais aller au chalet, pour t'assurer que tout va bien. Cette taré et moi, on reste là jusqu'à demain matin. Oh, c'est la fête. Eh, on commande des pizzas? T'es sûr que ça va? Ouais, ils voudront savoir que tout va bien ici. Pas faux. À demain matin.